considérant aujourd'hui que tu es très fort. Amen. Quand tu dis la chose arrive, amen. Tu peux tout. Amen. Et personne ne s'oppose à ta sainte volonté. Amen. Merci Jésus parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Amen. Afin que nous puissions te rendre un culte selon l'immensité de ta grandeur. Amen. Un culte spécial. Amen. Avec des choses spéciales. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il le rendez-vous. Amen. Saint-Esprit prend le contrôle et la prééminence. Amen. De toutes choses, de ce que nous allons faire ce matin. Amen. Tu as déjà commencé, c'est vrai, mais nous sommes à la phase où toi tu dois parler. Amen. Nous t'avons rendu ce que nous pouvons te rendre. Amen. Avec ton inspiration, mais là, descends et parle. Amen. Ton peuple écoute. Amen. Nous comptons sur toi. Amen. Aucune femme ne soit venue entendue. Amen. Aucune personne ne soit élevée ce matin. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Jésus seul. Satan, là où les enfants de Dieu sont, tu viens. Mais malheureusement pour toi, nous avons le pouvoir de te chasser. Amen. Je vais donc me revêtir de cette autorité pour intimer à tout esprit de déconcentration. Amen. Tout esprit d'opposition à la parole de Dieu. Amen. Tout esprit de critique. Tout esprit de jugement, toute manifestation diabolique et satanique a quitté ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En bas des bagages, pas dans les lieux arides. Amen. Ne reviens plus jamais. Amen. Et nous voulons appeler toutes les pensées à se tourner vers Christ. Amen. Afin que ceux qui sont venus ce matin ne rentrent pas les mêmes personnes. Amen. De toute la gloire revient à Dieu. Amen. Parce que son sang est au rendez-vous. Amen. Les anges se déploient, le ciel est en train de bouger. Amen. Le ciel est en mouvement. Amen. Merci Jésus pour ta Merci prière. Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Qui est content? Amen. Amen. Vous avez appelé quand est content? Mais le louange a dit ce matin qu'il ne vous sent pas. Alléluia. Amen. Si tu dis que vous aimez danser. Alléluia. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communication du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est ma formule de salutation. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un culte spécial. Le culte est spécial parce que la chose aussi est spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus présenter un enfant. Le fruit d'un vœu. Mais ce n'est pas seulement un vœu simple. C'est quand tu fais un vœu simple, tu dis, si Dieu me donne ça, je vais donner ça. Comme Timothée avait fait, c'est terminé. Mais dans ce vœu, il y a l'alliance. Le fruit d'un vœu d'alliance. Pour que ça soit clair. Alors nous allons commencer par définir les choses. Le fruit d'un vœu d'alliance par le couple Ebeka. Alléluia. Amen. L'alliance c'est quoi? La coalition entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir quelque chose. La coalition. Ici, c'est les causes étymologiques. Entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir quelque chose. On se met donc ensemble pour que chacun amène ses moyens
et ses capacités. On disait que chacun amène ses moyens et ses capacités pour permettre d'atteindre le but commun. On explique toujours. Ça peut se faire entre deux personnes, comme ça peut se faire entre plusieurs personnes. L'alliance peut s'arrêter quand le but est atteint. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi l'alliance perpétuelle. Il y a les alliances perpétuelles. Bon, je crois que c'est une seule, hein, celle que Dieu fait avec les hommes à travers Jésus-Christ. Cette alliance est perpétuelle jusqu'à l'éternité. Alléluia. Il faut qu'on comprenne bien une bonne fois pour tout. L'alliance peut faillir. Contrairement à ce que les gens pensent, ils se disent, et quand je donné ma vie à Jésus, je suis déjà sauvé. Non. Tu es sauvé tant que tu respectes les termes de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a les critères qui régissent l'alliance. Est-ce qu'on comprend? Donc l'alliance n'est pas seulement. C'est comme un pacte. C'est le pacte, si vous voulez, que tu fais avec Dieu. Pas dans les sectes pernicieux. Non. C'est un pacte. C'est pour ça qu'on voyait souvent quand tu dis les conditions l'ont attrapé. Ça ne se négocie pas. L'alliance qu'on faillit, si tu faillis à l'alliance, tu auras des conséquences. Donc, si dans l'alliance perpétuelle, disons avec Jésus, tu n'as plus d'une alliance, alléluia, ne pense pas que tu es sauvé à vie. Parce que dans notre alliance, il y a les termes de l'alliance. On en parlait là-bas aujourd'hui. Il y a les termes, non? Le Seigneur disait souvent que si vous n'oubliez pas mon alliance, c'est pas ça. Comme ça, clair. Si vous bien au conditionnel, si vous n'oubliez pas, je ferai, c'est pas ça, hein? je ferai, mais si vous oubliez mon alliance, avec l'alliance a déjà failli, moi aussi je fais. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, et tu ne respectes pas les conditions de l'alliance, tu perds le salut. Moi qui dis, c'est ici. C'est ça que j'explique l'alliance. L'alliance a des critères. Ouais, non? Qui la régisse, qui la réglemente. Et chacun doit de façon continuelle veiller à respecter, à travailler à sa réussite pour que l'alliance soit effective. Vous avez vu maintenant, non? Nous disons que c'est le fruit d'un vœu. On va entrer dedans. Le vœu, c'est quoi? Promesse faite à Dieu. Soit pour une longue durée, soit pour une courte durée. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici devant un vœu d'alliance, union contractée par engagement mutuel, pacte avec Dieu. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Et ce pacte s'y engage plusieurs personnes, pas le couple des gars. Je suis très sérieuse ce matin. Amen. Je suis pas en train de rire. Parce que vous savez ce genre de choses. On a déjà vécu ça. Il faut que ça soit clair ce matin. On va arrêter dans la Bible. On va voir le modèle de l'alliance que le couple de Béga a fait. Parce qu'on a essayé de chercher ce modèle dans la Bible. Il est presque unique. Et nous l'avons trouvé, nous allons parler de ça. C'est là-dedans que nous allons prendre les références. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. 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 Je pense que c'est le modèle de votre vœu. Quand la
l'enfance est née, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a donné l'enfant, son père m'a donné l'enfant. J'étais passée, j'étais avec les SD. Le pasteur Sylvie. Quand j'ai pris l'enfant, j'ai commencé à prier. Seigneur, je souhaite que cet enfant soit une grande servante de Dieu. Elle a éternué. Tout le monde qui est à côté de Madame Maritime, elle vous a déjà répondu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je ne savais pas. Hein. Qui avait le vœu sur elle, qui avait une onction, qui a... je ne savais pas. J'ai aussi arrêté, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui avaient compris. Alléluia. Amen. C'est après qu'ils m'ont dit. C'était après 2 semaines. Hein. C'était quand il fallait mettre le nom à l'enfant. Ils ne nous ont jamais dit. Alléluia. Amen. Et nous croyons que voici votre vœu. Ici, on a dit un enfant mal. Mais vous avez dit un enfant. Alléluia. Amen. Et Dieu a choisi de vous donner une fille. Amen. J'avais dit que les femmes ne prêchent pas. Vous pouvez voir comment quand Dieu lui-même se prête une fille pour son œuvre, pour toute la vie. Amen. Si tu me donnes un enfant, je te le prête. Alléluia. Amen. Nous avons dit que l'alliance, quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir que généralement c'est Dieu qui donne les termes de l'alliance. Ici, c'est Anne qui donne les termes de l'alliance à Dieu. Et cette forme est forte. Applaudissez pour Anne. C'est elle. L'alliance avec Jésus-Christ, même avec les Samson, c'est-à-dire que dans le fait qu'ils soient des Nazériens, alléluia, amen, c'est Dieu qui donne. Amen. Mais cette femme, ça m'a toujours étonné. Si tu me donnes un enfant mal, si tu me donnes ceci, si tu me fais ceci, je te le prête. Le devoir ne passe pas sur ta tête. Le Seigneur saisit. Amen. En engage à plusieurs personnes. Vous avez le problème, non? Si tu me donnes un enfant, je te le prête. Je te le prête pour Jérémie. Puisque toi, tu n'es pas sacrificateur. Alléluia. Amen. Tu dois le prêter. Ça veut dire que tu es le sacrificateur, Élie. Et Élie a la charge de payer sur cet enfant. Amen. Jusqu'à ce que le ministère s'accomplisse. Amen. Alors, quand le couple est là, après avoir suivi une prédication, comme il m'avait dit, ils ont dit peut-être que c'est mieux d'aller là-bas. Parce que nous voulons un enfant. Et cette sorte de vœu, ça plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que ce vœu-ci n'est pas un vœu égoïste. C'est un vœu qui va apporter beaucoup de bénédictions. Amen. Ça va restaurer la maison d'Élie. Ça va restaurer Silo, le ministère, comme la dîme d'adoration, le ministère d'Élie. Et il y a plusieurs personnes dans le ministère de Samuel qui ont profité. Amen. Peut-être parfois Dieu n'accepte pas nos vœux parce que nous faisons des vœux égoïstes, peut-être. Hein? Ce vœu a plu. Et Dieu n'a pas rectifié les termes de l'alliance. Alors, en amène, Dieu a créé une personne. Écoutez, elle amène, Dieu a créé une personne. Les Ebengas ont amené Dieu à créer une personne. Dans cette personne, il y a l'ADN des Ebengas, de sa femme, du pasteur mort de Jésus. Et la communauté pourtant est incluse dans le pasteur. Les données biométriques de cet enfant, c'est d'abord Hélène. Vous entendez que quand tu sers le Seigneur, hein, il te récompense avec un jet privé. Vous entendez cela, non? Que l'homme de Dieu a des têtes privées pour aller prêcher l'évangile. Ce laboratoire, il a créé. Amen. La tête privée, c'est les hommes qui fabriquent. Alléluia. Mais il est entré dans le laboratoire. Il dit que c'est bien et sa femme me demande. Il me demande de lui donner une personne que je vais prêter, moi-même. On m'avait prêté dans l'église de mon serviteur. Yes. C'est quelque chose. Hein? Yes. Ça dépend de la tête privée. Amen.
compris, non? Elle a amené, Ebénaï et sa femme ont amené. Vous savez comment l'enfant marche là dehors? Il ramène le trésor, il vient déposer chez son père. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Amen. Tu ne comprends pas? Si tu me donnes, je te le prête. Ce n'est pas là l'enfant. Amen. Ils vont accoucher d'autres. Amen. L'enfant là, c'est pour Dieu et pour moi. Amen. Le père. Vous avez compris, non? Amen. Ce n'est pas là l'enfant. Est-ce que ce soit clair? Amen. Si vous avez dit là, vous n'avez pas encore amené l'enfant là chez Élie. C'est ça. Parce que c'est Samuel qui m'a vraiment montré que Élie était un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, elle n'a pas regardé ce que les autres faisaient là. Elle a dit non. Je veux pouvoir. Je n'aime pas quand les gens bougent beaucoup. Si tu bouges, tu vas rester dehors. Amen. Ah oui, tu vas rester dehors. Parce que là, on est comme, on est en train de faire l'hymne national. Parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle, on regarde à vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Parce que ça peut amener la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me donnes, c'est toujours conditionnel. Ça veut dire que Dieu peut ne pas donner comme il peut donner. Mais la Bible nous dit que ça là, ça plu à Dieu. Alléluia. Ça plu à Dieu. Et Dieu s'est mis à fabriquer une personne, comme on disait tout à l'heure. Une bénédiction pour plusieurs. Parce que la Bible dit que Samuel, sa parole est tombée par le sol. Dieu agissait. Et nous disons que la présence de cet enfant ici, comme elle est là, 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 elle fait ce que vous voyez, comment elle fait là. Un contrôle. Yes. Tu ne rentres pas la même personne. Amen. Les miracles commencent à tomber là maintenant. Même. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Yes. C'est un enfant nazérien. On les appelle les enfants de secte. Ça veut dire que leur mission est à part. Ça ne ressemble pas à pour d'autres personnes. Grâce à Samuel, Silo a été restauré. Yes. Alléluia. Amen. Donc elle n'en est pas, elle est encore petite. On va lui mettre la torche à cet hôtel. Quand le pasteur voilà, peut-être à 2 ans ou autre à 5 ans, elle va porter la torche que nous portons là. Parce qu'elle n'est pas. Elle est compris, hein? Amen. Elle va porter la torche. Yes. Alors si Ebénaï et sa femme, vous avez un tel enfant ici, hein? Je ne veux pas. Vous venez un jour, vous commencez pour faillir l'alliance. Cet enfant ne peut exister que si les termes de l'alliance sont respectés. Il n'a pas été créé pour aller travailler. Il n'a pas été créé pour. Il a été créé pour être prêté. Prêté à Dieu pour toute sa vie. Le rasoir ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a les interdictions. Alléluia. Jésus était nazérien. Jean-Baptiste était nazérien. Alléluia. Il ne mangeait pas la nourriture, il ne mangeait pas. Donc, on enseigne pour que les gens comprennent. Pourquoi tu ne veux pas dire que ce n'est pas ton enfant? Si je veux maintenant, je pars avec l'enfant chez moi après le but. Si je veux. Vous avez compris maintenant, non? Et mon enfant ne marche pas n'importe comment. Les congés et tout ça là, non. La Bible dit que Samuel dormait à côté de l'âge. C'est Élie qui l'a mis à côté de l'âge. Le pasteur va être responsable de cet enfant jusqu'à ce que la mission s'accomplisse. Vous voyez comment tu veux prendre la retraite. Je viens encore avec un bébé. Deux données. Et t'as dit que mon serviteur, tu es encore jeune. Alléluia. Ah non. Il y a les sortes de bénédictions. Les sortes de réponses. Quand Dieu te répond, c'est la grâce. Tu peux faire même 10 000, 50 ans de ministère. Tu as même 20 000 ans. Tu n'as pas la sorte d'un enfant. C'est compté. Et dans la Bible, c'est uni. Yes. Alléluia. Amen. Si tu me donnes, qu'est-ce qui pousse Anne à faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui pousse Anne à aller jusqu'à ce niveau-là? Allons un peu au début là. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tobu, fils de Tsuf,
Éphratien 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Wow. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 6. Sariba lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Sariba lui portait des mortifications. En réalité, ce n'était pas cela. Même Pénine a été mortifiée. Alléluia. Ce n'était pas seulement Anne. Elle était mortifiée pourquoi? On dit que son mari ne l'aimait pas. Alléluia. Elle était mortifiée. Mais je veux vous dire quelque chose. Les gens qui nous mortifient, ou si c'est nous qui mortifions les autres, c'est parce qu'en réalité, nous-mêmes nous sommes mortifiés au départ. Le jour que Anne a compris que même celle-là était mortifiée, elle s'est levée le jour. Amen. Vous avez compris? Il n'y a personne qui est sain, il n'y a personne qui est à l'aise à 100% sur la terre. C'est ça. Elle avait les enfants. On dit si une femme n'a pas accouché, elle est ceci, cela. Alléluia. Amen. Elle avait les enfants, mais elle était mortifiée. Imaginez-vous, tu dois avoir un homme. Tu lui fais les enfants, il ne t'aime pas. Vraiment. Chose, hein? Elle devient maintenant là, peut-être plus grave que les enfants. C'est ça. Moi, je vois le couple de Bengala là. Quand tu les regardais, tu as envie le mariage. Pourtant, ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. Amen. Ah, je Amen. Tu t'es bien voir un couple. Alors. Amen. Donc les gens se laissent souvent mortifier par les autres. Alléluia. Parce que tu regardes, tu as dit que c'est les enfants. C'est ça le plus grand. Non. Puisqu'il y a une qui a des enfants à côté, mais qui n'est pas en paix. Qui n'est pas à l'aise. Mais elle te mortifie en disant que toi, tu n'as pas accouché. Pendant ce temps, elle, l'homme ne l'aime pas. Et vous êtes des repousses. Enfant de Dieu, père de Dieu, avant d'être mortifié par quelqu'un, essaie de regarder sa vie. Regarde un peu sa vie en profondeur, ça va t'aider. Amen. Ah oui, j'aime ça. Amen. Oui, nous envions beaucoup les gens. Tu le mets de façade, elle a les enfants, mais tu ne connais pas la blessure qu'elle a dans son cœur. La bouche, c'est quelque chose, hein. À des moments, même on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? L'amour ou les enfants? Parce que tout ça, c'est important. Alléluia. Amen. Je peux adopter les enfants. Si j'ai l'amour de mon mari, je peux adopter les enfants. Amen. Mais toi, tu as les enfants, l'homme ne t'aime pas. Amen. 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 J'ai les enfants. Ah, c'est quelque chose, hein. Mais il faut avoir le niveau spirituel pour comprendre. Tous ceux qui sont autour de vous, n'enviez pas seulement quelqu'un. Amen. Il faut les regarder. Les gens qui aiment insulter, les gens qui aiment faire ceci, les gens qui aiment les histoires. Allez regarder. C'est des personnes dépressives. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Vous avez vu? On a toujours dit ça que pour la mortifier. Mais cette peau était mortifiée. Et Anne était tombée dans ce piège pendant longtemps. Mais un jour, Amen. Elle dit, je me lève. Amen. Tu peux te lever? Amen. Oui, il y a un jour tu vas te lever. Amen. Sans qu'on envie les gens. Amen. Sans qu'on dit que c'est parce qu'on a les enfants. Parce que moi, je dis ceci. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais tu es mortifié par quelque chose. Oui. Amen. Vous avez vu, non? Amen. C'est parce que Dieu sait équilibrer la vie. Amen. Si tu retiens que Dieu sait équilibrer la vie, il y a beaucoup de stress que tu vas éliminer. Amen. Et chaque année, elle s'arrangeait. Parce qu'elle avait vu son point faible. Ne laisse jamais voir ton point faible. Amen. Enfant de Dieu. Ne laisse jamais voir ton point faible. Amen. Alléluia. Et souvent, ce que nous envions, c'est parce qu'ils ont masqué leur point faible. Et ils se présentent devant nous comme ils veulent, comme ils pensent. Et ça nous séduit. Ça. Aujourd'hui, cette parole enlève le pan de masque. Yes. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà.
Dieu t'aime. C'est parce qu'à un moment, ce genre de choses, ça fait que tu es voilé quelque part. Un jour, ma fille Fanny est venue me voir. Elle était meurtrie. Elle me dit, il y a un moment dans l'église, comme on salue souvent les gens à la fin. Et je l'ai saluée, elle me dit, comment ça va? Et je lui ai dit, ça va très bien. Elle dit, non, ça ne va pas très bien. On va aller quand tu vas accoucher. Oui, c'est ça. Et puis, en réalité, quand elle est venue cette maman, quand je la regardais, bon, je n'ai pas envie de parler. Il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas. Hein. Et quand déjà maman à son âge là, alléluia. Amen. Mais elle a pris le soin d'utiliser quelque chose pour modifier notre personne. Je lui ai dit, viens d'abord, elle est venue. Et là, tu vois la main là, comment? Regarde ceci. Elle s'est mise à rire. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein? Regarde, elle s'est mise à rire. Je dis que quand on va regarder, maintenant, tu la dépasses. C'est parce que tu as mis ça dans ton cœur. Je te dis quelque chose, ma fille. S'il y avait un marché où on achetait les enfants, je te dis que si tu as n'importe combien, tu n'aimes jamais les dettes, tu allais m'endetter pour acheter un enfant. Amen. Et la plupart des choses, c'est que tu reçois de Dieu. Ce n'est que Dieu qui comble les vides. Puisque elle, quand elle voulait combler le vide d'Anne avec double portion d'offrande. C'est pas ça, hein? Il a voulu combler. Il lui dit, est-ce que je ne suis pas plus que 10 enfants? Est-ce que je lui dis, regarde, je t'aime, je donne le double, je donne ceci. Mais ça ne comble pas le vide. Enfant de Dieu, seul Dieu pour combler ton vide. Amen. Son cœur. Yes. Ta femme était pas mal vers Dieu. Yes. Tu as des choses qui te demandent pas vers Dieu. Amen. Arrête d'attendre. Oh, je vais t'aider. Il va même faire le point. Le point ne peut pas combler le vide. Amen. Même l'amour. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut combler le vide. Amen. Alors, quand je te tourne vers Dieu, il comble. Amen. Ils ont eu la paix. Le pasteur vous a dit, ils ont servi fidèlement le Seigneur. Amen. Avec moi, je te parle. Adi Mareyou. Vous avez compris, non? Oui. Parce que je savais qu'il n'y a que Dieu qui peut faire grâce. Alors, le jour que Anne a compris, vous avez vu, non? Pélina est là. Pélina est là. Est-ce que vous avez entendu parler des enfants de Pélina? Non. Écoutez, tu peux avoir même 1000 enfants, mais il y a enfants et enfants. Vous avez compris? Le jour où elle a compris, elle s'est levée. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu comprendras, je pense que c'est aujourd'hui, tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever, tu vas fermer les oreilles à tout ce que les gens disent. Tu comprendras que ce n'est qu'avec Dieu que tu peux dealer. Et tu feras des prières ferventes. Amen. Ça, c'est une prière fervente. Amen. Où tu sens quelqu'un qui est décidé à mener Dieu, à rentrer à la création. La Bible dit que Dieu a tout créé. Quand il a créé, il a regardé, il a dit que bon. Mais Anne lui dit que il faut que tu crées un peu. Je dis que la Bible dit que quoi? Dieu a tout créé. Et quand il a fini de créer, il s'est mis là. Il a commencé à regarder et il dit que tout était bon. Il n'y avait rien à refaire. Anne, la mère de Samuel, dit que tu as encore quelque chose à créer. Thank you.
difficulté a dit, Anne, tu as raison, je dois encore créer. Amen. Et bien là, si j'avais la viande maintenant, ça allait te mettre dans la bouche, toi et ta femme. Vous avez demandé à Dieu de crier, amen, et il a créé. Alléluia. Une bénédiction pour la communauté pour plus de monde. Une bénédiction pour les familles. Amen. Une bénédiction pour le monde entier. Amen. Une bénédiction. Le cadeau privé. Amen. Amen. Pour le cadeau privé. Alléluia. Amen. C'est très important. Et cet enfant, sa mère faisait le service devant Dieu. Et elle fera le service devant Dieu. Amen. Selon comment le pasteur mort va arranger avec son Dieu. Amen. Et lui, il avait mis là-bas. Alléluia. Amen. Et il a grandi là-bas. C'est vrai qu'il était à Rama, mais il était aux deux endroits. Alléluia. Amen. Alors c'est cet enfant que nous sommes venus présenter aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas laisser les parents parler. Ils parleront le jour du sacre. Le jour où on va mettre la touche. Ouais non, la grande bénédiction. Amen. Tu es dans un ministère, Dieu te fait un pasteur, un nazérien, un sectaire, encore une petite fille qui marche avec la touche. Ça c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant passer au nom de cet enfant. Pour terminer, elle s'appelle Mesoa Sissimo. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un homme, ça veut dire qu'on t'aime. Ici, là, Dieu nous a quatre bonnes. Quand la même église, le même nom, le même nom, le même nom. Et maintenant, tu allais mettre encore mon nom, Jésus Nazirienne. On va parler de Anne aujourd'hui, on parlera de ça un autre jour. Elle s'appelle dans mes oies, c'est moi, ça c'est mon nom, nom propre. Et Béga, le nom de son père, Anne vit mon nom d'artiste. Dieu m'a récompensé deux fois. Il me laisse encore sur la terre. C'est-à-dire que même quand je ne serai pas là, mes oies et Binda, à vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.